5, 4, 3, 2, 1, voilà, les deux robots démarrent. Smart est en train de parler. Un robot parlant. Smart vient de placer un palais sur une zone rouge. Il est en train de placer un deuxième palais, mais qui est à cheval sur deux couleurs, donc je ne pense pas qu'il pourra compter. Roboy, qui a pour l'instant un peu de mal à prendre ses décisions. Smart, qui vient de positionner un palais pour l'équipe adverse, donc c'est un robot généreux. Et Roboy, qui vient de positionner un palais bleu, c'est un palais en zone bleue. Oui, Rachid, ouais, ça y est, ça commence à mélanger les couleurs. Donc le palais bleu, Super Hero Robotic Club rencontre le PF Robotique. Les deux équipes sont prêtes, ça y est, on va prendre le top départ, c'est ok? C'est bon? 5, 4, 3, 2, 1, et top! C'est parti, 90 secondes, bien entendu, pour marquer un maximum de points. Et c'est Rudy, le robot de Super Hero, qui part très vite et qui fait déjà deux tours sur lui-même avant de s'accélérer et d'avancer au milieu de table. Il attrape le roi actuellement pour pouvoir le mettre dans son réceptacle et va peut-être le faire une bille avec un deuxième tour. Oui, ça c'est bon. Et va le mettre sur la couleur bleue, je suppose. On va se lancer un instant. Du côté de l'OPF Robotique, il a démarré, il a fait deux cases et s'est arrêté. Et donc j'entends dire de côté des concepteurs qu'il a bugué. Voilà ce qu'on peut dire sur ce match pour le moment.